Avec ses 239 magasins, HMV est la plus importante chaîne de vente de CD et DVD au Royaume-Uni. Il y a quelques années, ses propriétaires avaient refusé une offre de rachat de 1 milliard d'euros. 6 ans plus tard, elle ne vaut plus que 5 millions, c'est 200 fois moins. L'enseigne est écrasée sous les dettes et a dû annoncer lundi soir sa mise en redressement judiciaire. Nous avons perdu Zavi sur le marché et Music Zone, A Price, Silver Screen, un grand nombre de magasins spécialisés qui existaient sur le marché. En cause, les téléchargements et surtout les ventes de disques sur Internet, comme partout ailleurs en Europe. Le seul espoir de HMV, c'était jusqu'à présent ses ventes de Noël. L'enseigne avait même ouvert des boutiques temporaires, des pop-up shops. La période de Noël représente environ 40-50%, presque la moitié de nos ventes. Si on peut soudain aller dans une petite ville qui n'est pas viable pour toute l'année, mais pour ces 2 ou 3 mois, ça peut très bien marcher. Mais cela n'aura pas suffi, pas plus que les autres tentatives du groupe qui compte 4000 employés. L'organisation de concerts, installation d'espaces de jeux, vente d'accessoires, rien n'y a fait. Aujourd'hui, beaucoup s'inquiètent de sa disparition. Eh bien, depuis que je suis petit, j'ai toujours aimé regarder et toucher les articles. Voir les achats permet de mieux sentir ce que j'achète. Avoir le CD tout de suite, c'est plus pratique. Pas besoin d'attendre le téléchargement. Le cabinet Deloitte est chargé de trouver un repreneur. Mais la tâche s'annonce très difficile, alors qu'aujourd'hui, les 3/4 des ventes de musique et DVD se font sur Internet et que toutes les grandes chaînes, les unes après les autres, disparaissent en Europe.